Bon, la lumière, ça fonctionne pas. Non, non, ça ne fonctionne pas. Bon, est-ce que je peux avoir le plateau pour moi seul 5 minutes? Ouais. Fais-moi sortir tout le monde, 10 minutes de pause. Monica, je suis vraiment désolé, mais ça va prendre encore quelques temps. Les électros aussi. Je me débrouille. Bon, ok. Tout le monde dehors, 10 minutes de pause. Vous aussi, les gars. Non, toi, tu restes et tu te places là. Mais normalement, on pose et moi, je fais les cafés. Oui, 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 oui. On dirait bien qu'ils vont devoir se passer de toi. Allez! Voilà. Tu t'appelles comment, au fait? Léna. Je peux vous... Léna, la lumière. Excusez-moi. Oh, mais tu peux me tutoyer, tu sais. D'accord. Je peux te poser une question? Oh, je t'en prie, vas-y. Comment t'as fait pour te retrouver sur ce genre de production? Après Delorca, ça doit drôlement te changer, non? Intermittence. Quand tu nous tiens. Je vois. Mais en attendant, je suis ravi de voir que tu connais mon travail. Et seulement voilà... Aujourd'hui, on ne s'intéresse plus à la lumière en tant qu'écriture à part entière. Elle est tout juste reléguée au rang de faire-valoir de la mise en scène. Et toi, quelles sont tes ambitions dans la vie? À vrai dire, j'ai pas de plan précis. En ce moment, je suis à la technique, mais demain, qui sait, peut-être que je distribuerai le New York Herald Tribune. Tu vas bien? Oui, ça va, ça va. Tout va bien. J'ai terminé. Non, 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 Marina. Non, non. Tu restes où tu es, tu ne bouges surtout pas. Alors, tu en penses quoi? Ouais, belle lumière, Logan. Vraiment. Bon, tout le monde en place. On a assez perdu de temps comme ça. Monica, tu prends sa place. Toi, tu retournes d'où tu viens. C'était pas la lumière, le problème.